Où ça? Là, ça a bougé. Tire, tire, putain, tire, j'ai tire. Tire, putain, tire. Laisse-moi-le. Raté. C'est de ta faute aussi, t'as vu comment t'es fringué, là? Hein? T'es autour de France ou la chasse? C'est la faute à ma femme, elle m'a planqué les habits de chasse, il me reste que le Tour de France. Si je me retenais pas, je te trouverais toi aussi. Hein. Arrête! Avec ce fusil, on vise pas les gens à la chasse. Tous les ans, il y a des morts à la chasse. Tu me prends pour qui? J'avais qu'un coup et je l'ai tiré. Ah bon. Putain! Putain, mais t'es malade avec ton fusil, toi. Hein. C'est le gosse qui a dû jouer avec, dis. Tu sais qu'à 5 ans, ils sont touche à tout quand même. Hein. Enfin, il est doué, on en fera les chasseurs. Hein. Ah oui. Attends, il vise déjà sa petite sœur dans le berceau, tu sais. Oui. Et bien l'autre jour, il lui a explosé le hocher. Putain. Ah, et quand le père est doué, le fils est doué. Hein. C'est dans les gènes, ça. Oui, mais toi, t'es énervé en ce moment. Oh, attends, je suis en pleine forme. Hein. C'est bien simple, depuis que j'ai arrêté de fumer, je pète le feu. Ah. Et bien justement, il y a des gens, ils arrêtent de fumer. Après, rien les énerve, tous les rangs irascibles. Et bien moi, non. En tout cas, t'as un joli fusil, il est bien ton fusil. J'espère bien, oui, je me le suis payé avec les allocations familiales. Oh. J'arrête pas de lui dire à ma femme, il faut faire des gosses. Ils nous donneront du pognon, avec le pognon, on achètera des bagnoles. C'est vrai que toi, tu tires plus à la chasse qu'à la maison, hein. Sinon, le boulot, ça marche, ouais. Non, ça marche pas. Non, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent nous mettre à la semaine des 35 heures. Eh ben attends, tu devrais être content, non? Tu déconnes ou quoi? Nous, à l'EDF, ça fait longtemps qu'on a fait que 28, quoi. C'est sûr. Alors, il est où le progrès, putain? Moi, j'ai dit aux délégués syndicaux, j'ai dit, vous avez qu'à embaucher des jeunes. Le boulot qu'on faisait pas à 50, on continuera à pas le faire à 80. Et ça, on peut compter sur vous. Ouais, on n'est pas un pays de cons. Ah non. Ouais, on est français, on n'est pas des cons, nous. Ah, non, non, on n'est pas un pays de cons, on est quand même un pays, on est quand même un pays qui a été champion du monde de football. On a été champion du monde de football. Oui. Champion du monde. Oh, on a été champion du monde va, de va, football. Oh, 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 calme-toi, calme-toi. Oui, oh, oh, oh. Calme-toi. Tu vois? Les oiseaux, ils en ont rien à foutre, tu vois? Attendez, vous n'avez pas la mer, vous avez gagné un bateau, alors bon. Attention, champion du monde, mais avec une équipe multiraciale. Oui, 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 oui. Je croyais que tu étais raciste, toi. Oui, je suis raciste, mais pas en foot. Attends, quand même, Zidane, il est arabe, hein? Non, monsieur Zidane, il n'est pas arabe. Ah, tiens. Non, il est kabyle. Et alors? Et alors, c'est pas pareil. Un kabyle, c'est comme du Canada Dry, ça ressemble à un arabe, mais c'est pas du whisky. Tac, voilà. Et alors, vous l'aviez fêté, la Coupe du Monde? Putain, la fête qu'on avait fait quand on a gagné la Coupe du Monde, putain. Ouais. Et, à l'hommage de Barthez, j'ai rasé la tête de ma femme. T'as toujours eu le sens de la fête, toi. Oui, hein. Elle était contente. En plus, ça y rappelait la coupe de cheveux de sa mère à la Libération, tu sais, quand ils avaient... Bon, attends, mais un peu de respect, quand même. Oui. On peut pas rire de tout, quand même. Oui, c'est vrai, oui. Pauvre femme. Oui. En plus, attends, c'était pas sa faute. Oui, mais ça, on l'a su qu'après. C'était pas elle, c'était son caniche qui avait couché avec un berger allemand. Le soir. Ouais, c'est pas pareil quand même. Voilà. Ah putain. Tiens. Je vais te profiter de cet amour pour te. Regarde ce que j'ai là. Qu'est-ce que tu fais avec un livre, toi? Et qu'est-ce que je fasse avec un livre qu'on a joli? Je vois bien, mais t'as plus la télé ou quoi? Si, mais je l'ai changé pour la Coupe du Monde, j'ai acheté une télé à la FNAC. Ah. Et à la FNAC, quand t'achètes une télé, ils t'offrent un livre. Et comme ils me l'ont offert, comme je suis poli, je le lis. Alors, ce livre de quoi, sur qui? Ça s'appelle Métaphysique de Aristote. Aristote, Aristote. C'est pas le type qui avait épousé l'ancienne femme de Kennedy, ça? Il parle de quoi, son livre? Putain, c'est pas facile, quoi, tu sais. Tiens, je t'en livre un extrait. Ouais, ça tombe bien, c'est le livre. Oui. Écoute ça. Je te mets le ton, hein. Oui, oui. Vas-y. L'être en tant qu'entité est un nain dans l'espace. Un dans l'espace. Le non-être dans le non-espace est un sans-être, donc le non-être est un être... dans le sens où il est un.
Il y a d'autres pages dans ton livre. Tu vois, t'es comme moi, t'es emmerdé. Voilà. Allez, de suite, voilà, les grands mots, emmerdé. Oui, t'es emmerdé. Attends, mais la philosophie, tu rentres pas comme dans une paire de bottes, il faut un peu de temps. En plus, tu tombes bien parce que moi, de la philo, j'en ai fait. Alors, ah bon, t'as fait de la philo, toi? C'est moi qui ai fait réviser ma fille pour le bac, alors. Ah bon? Et elle a eu le bac, ta fille? Je veux, oui, au premier coup, elle l'a eu. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle a fait de son bac, ta fille? Ben, tu sais, elle voulait faire à lettres. Eh ben alors, t'as vu ce qu'elle fait, ta fille? Mais quoi, elle est caissière au Super U, hein? Eh ben alors? Eh ben, Super U, c'est une lettre, hein? Tiens, toi qui as eu le bac par alliance. On peut le dire. Écoute ça parce que c'est une question. Qui dit question dit réponse. À partir du moment où le quoi devient le comment, peut-on considérer que le nombre est substance? Le nombre est-il substance? Attends, ça s'arrête sec comme ça? Oui. Après, le type, il a fait un point, il est parti se coucher, le type. Ouais, alors ça c'est simple, si tu veux. C'est le béaba, en fait, de la philosophie un peu moderne, tu vois. Oui. C'est le principe de l'être, du nombre et de la substance. Voilà. Alors, comment t'expliquer ça? Toi, par exemple, toi tu es... Tu es un. Moi, je suis un. Tu es un. Attends, ma femme me le dit toujours, des cons comme toi, il n'y en a pas deux. Alors, oui. Je le sais que je suis un quand même. Non, c'est quand même... Ce que je veux dire, je suis non, un. Attends, toi, tu es un. Oui. Tu es un, tu es l'être. Un l'être. Tu es l'être. Attends, l'être, l'humain, l'être avec un mais H. Mais oui, bien sûr, pas l'arbre. Oui. Tu es l'être. Bon. Et tu bois de la substance. Oui. Le Ricard, par exemple. Toujours. Attention. La substance n'est pas le nombre, parce que même si t'en bois plusieurs, ça restera quand même du Ricard. Putain, mais là, ça vibre jusqu'à la frontière. Là. Non. Ça tremble jusqu'à Lausanne, là, au moins. Ouais. Attends. Toi, t'en bois combien de Ricard? Tu veux dire un jour normal? Oui, un jour où il n'y a rien à fêter, tac, tu bois combien de Ricard? 15, 20, je sais pas. Ne me dis pas qu'à 20 Ricard, le nombre n'est pas substance. Parce qu'à 20 Ricard, tu es du Ricard, quoi. À 20 Ricard, il te manque que le bouchon sur la tête, quoi. Voilà. Alors toi, tu t'excites, de suite tu t'énerves, tu sais pourquoi? Parce que t'es inculte. Quoi, je suis inculte? T'es inculte, tu connais rien, tu connais personne. Ah. Si, tu connais Zidane, Barthez, mais sorti de là, tu connais personne. Tu parles. T'es Archimède, tu sais qui c'est Archimède? Je connais pas les remplaçants. Ah. Archimède, c'est le mec. Mais bien sûr que je sais ce que c'est Archimède. Eh ben alors dis-le. On le dit quand on a les boules, on le dit merde, Archimède, on le sait, on n'est pas des fonds quand même. Alors quand même, oh, calme-toi. Archimède, c'est le mec qui a découvert la pesanteur. Là? La pesanteur. Un jour, il était dans sa baignoire, pof, il y a une bulle qui est remontée. Qu'est-ce que t'en déduis? Eh, qu'il a lâché une caisse, qu'est-ce que t'as gâché, allez, va. Et s'il y en a plusieurs, c'est un jacuzzi. Oui, ouais. Allez, laisse tomber. T'es pas fait pour réfléchir, toi t'es fait pour tirer. Voilà, tu vas te cramer la casquette si tu réfléchis. Allez, tire. Voilà. Quel naze alors. Hé, ça a bougé, con. Où ça? Sans déconner, dans le buisson, là-bas, ça bouge. Voilà, fous-toi en place. Tire-le, putain. Il est là, tire-le. Fous-toi en place. Tire-le, putain, tire. Mais fous-toi en place. Tire-le. Mais si je tire, tu vas avoir de la buée sur les lunettes, là. Casse-toi, là. Tire, putain. Laisse-le venir, le gibier. Oui, mais ferme ta gueule. Tu vas la fermer, ta gueule, oui. Je te l'ai débouché, les végétations, là. C'est quoi ce son de merde, là, que tu me sors, hein? C'est quand j'ai peur, ça se bouche. Oui, mais tu vas voir, je t'ai envoyé le desktop, tu vas voir, ça va. Tire. Mais laisse-le venir. J'ai de la balle à hélice, à 20 mètres, j'y fais un cratère comme le Vésuve, là. C'est bien simple. Tu sais, moi, chaque année, en fin de saison de chasse, oui. Je tue le chien, tu sais. Oui, pour pas le nourrir pour rien l'été. Ouais. Eh bien, l'an dernier, avec une balle à hélice, on n'y a jamais retrouvé la tête. Pour te dire, quand même, hein. Ça me voit, le truc. Hein. C'est comme on ne saura jamais ce qu'il en a pensé, le chien. Tire. Tire. Je l'ai eu. Putain, tu l'as eu. Et qu'est-ce que c'est? Un cerf.
Avec une casquette. Un sanglier, peut-être. Non, avec un panier, ça m'étonnerait. Hein. Alors, pour que ce soit pas un aigle, tu vois, c'est protégé, c'est oui. Sur la liste, ça. Ou le loup du Valais. Ah, ouais, non, ça t'a pas le droit, c'est protégé, ce truc. Attends, je vais voir. C'est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Un chercheur de champignons. Oh putain, un moment, je me suis dit que t'avais fait une connerie. Ah, bah, ça arrive vite, tu sais. Hé, hey, viens voir, tu l'as pas raté. Quoi. Regarde-le, regarde-le. Ça, je te l'avais dit, ça, c'est la baleine. Ici. Oh. Regarde, ça te fait plus de jus que de viande, ça. Regarde-le. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais quoi, j'ai fait bouger les yeux. T'es con, quoi. Après, on a mauvaise réputation, nous, les chasseurs. Bah, tu t'en fous, c'est pas une espèce protégée. Exactement, c'est pas sur la liste. Voilà. C'est pas comme l'ours ou le loup. Ouais. Non, ça, il faut faire attention. Bon, ça, il faut... T'es, ça a bougé, là. Attention. Si, regarde, arrête. Mais t'es con, t'as tué ton chien. Eh ben alors, c'est mon chien, j'ai fait ce que je veux, non? Allez, viens, on rentre. Mais il n'a pas bougé, il ne sait qu'il ne faut pas bouger la chasse. Viens, on rentre. T'es, ça bouge encore, là. Tu vois? Ah, si, là, ça a bougé, là. Mais là, c'est normal là. Que ça bouge, c'est Dédé, Lulu, ceux qui font la battue avec nous. Oh. Dédé, Lulu. Oh, oh. Dédé, Lulu. Tu vois, ce qui me manque le plus dans la cigarette, je crois que c'est la fumée, tu vois. Non, en tout cas, pour un type qui vient d'arrêter de fumer, tu pourras dire que t'as arrêté net, avec une sans filtre. Pum.